coup de gant. Just a driver. Wow, wait here for me, boss. I'm not a god. I'm only doing his work. I'm not an angel. Everybody does the same. It's not my fault. I know, I'm not good here. I'm just a driver. Wow, waiting for my boss. Hey, hey, wow. Yeah, yeah. Good God, give me now. Come on, yeah. Come on, hey, hey, do it. Thank you.
Noazim. Bienvenue pour la table ronde consacrée au projet Magia, Montpellier appuie à la jeunesse innovante africaine. Il s'agit d'un projet qui est porté par la direction de la valorisation de l'entrepreneuriat et de la professionnalisation de l'université Paul Valéry. Et c'est un projet qui a une visée beaucoup plus globale et qui a pour objectif de fédérer les différents établissements d'enseignement supérieur de Montpellier avec les acteurs du tissu socio-économique métropolitain, les laboratoires de recherche, les collectivités, les entreprises, les bureaux d'études, toutes ces structures qui peuvent être en lien avec l'Afrique. Donc nous allons... je vais vous faire le trailer, la bande-annonce de cette table ronde qui va durer une quarantaine de minutes. Nous allons, dans un premier temps, présenter un panel d'étudiants entrepreneurs et d'entrepreneurs plus confirmés qui sont installés en métropole montpelliéraine pour la plupart. Ils apporteront leurs témoignages sur leur expérience entrepreneuriale, sur leur motivation, sur leurs difficultés aussi à monter une entreprise, et notamment pour le transfert vers l'Afrique. L'idée de ce projet est quand même de faire émerger et de pérenniser surtout la création d'activités et d'emplois sur le continent africain. Et dans un second temps, sur cette table ronde, nous essaierons de trouver les éléments communs dans une vision beaucoup plus globale de l'entrepreneur africain. Et notamment, y a-t-il des nouveaux outils à créer pour faire émerger ces structures d'emploi sur le continent africain, bon, ce type d'exemple. Donc, je vais commencer. Alors, nous avons déjà la présence de Madame Claire Hart, qui est vice-présidente de la métropole, déléguée aux relations internationales, ainsi que Indemad, vice-présidente, elle aussi de la métropole, et en charge du développement économique et du numérique. Donc, il manque une ou deux personnes, un ou deux témoignages. Donc, ces personnes-là vont avoir arrivé d'ici peu. On va commencer par Dia Swayi. Dans le cadre du sommet Afrique-France, on parle bien d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Sur ce plateau, nous avons donc différents étudiants africains
Dia est tunisien, Rabi est algérien, Ulysse est béninois, Mamoursek est du Sénégal, Amadou Diop, qui est une personnalité de la diaspora sénégalaise, donc est du Sénégal, et nous aurons aussi Teddy Kosoko, qui est de Centrafrique. Voilà, je pense à peu près tout. Donc, la première personne qui va témoigner, apporter son témoignage, c'est Dia Sui. Alors, Dia, vous venez de passer votre master de sciences cognitives et socio-cognitives au laboratoire en lien avec le laboratoire Epsilon et à l'université Paul Valéry. Dans le cadre je vais plutôt vous interroger sur votre motivation. Alors visiblement, votre motivation à créer, à entreprendre est plutôt basée sur un fait historique de la Tunisie, c'est notamment la révolution de 2011. Vous pouvez nous expliquer cela rapidement ? Yes, bonjour tout le monde. Dia Sui, l'idée de lancer ces projets, c'était juste après la révolution en Tunisie en 2011. Moi, je vis en France depuis 2006, où j'ai pu faire mes études universitaires. Après la révolution de 2011, j'ai voulu participer avec les jeunes de là-bas à faire réussir cette transition démocratique. Moi, je viens du sud-est tunisien, donc la ville de Djerba, où il y a un grand enjeu parce qu'il y a la frontière libyenne aussi qui est pas loin et qui y a beaucoup d'enjeux qui s'y rattachent. Donc l'idée, c'était d'animer un peu la vie culturelle et artistique. On a commencé en créant un programme qui s'appelle Djerba Waves, où on a organisé des résidences artistiques. On a aussi exploiter des espaces pour créer des œuvres et mettre en valeur un peu le patrimoine de l'île. Donc il y avait déjà un dynamisme lié à la jeunesse tunisienne suite à ces événements, et vous avez donc déjà tout de suite mis en place des événements internationaux avec Paris, avec Djerba. Exactement, la dernière résidence c'était avec des artistes montpelliérains, où on a fait une fusion, une résidence avec des artistes tunisiens. Les artistes montpelliérains, ils étaient originaires de l'île de La Réunion et ils jouent un genre musical qu'on appelle le maloya. C'est une musique qui tire ses racines dans l'Afrique subsaharienne et dans le sud tunisien. On a aussi un genre musical très similaire qui s'appelle le stambali et qui tire ses racines aussi en Afrique subsaharienne. Donc l'idée, c'était de les faire travailler ensemble, enfin de faire une fusion. Donc ce premier projet a été un kick-off, et là vous avez donc à la suite de vos études ou pendant vos études même développé une appli mobile et web de parcours piétonnier avec un de vos collègues et étudiants à Paul Valéry. Et alors, c'est bien sûr une plateforme qui va permettre d'avoir des parcours piétonniers ludiques, la verdure de Montpellier, le parcours historique, etc. Ce sont des choses qui existent déjà un peu, mais vous avez quand même des fonctionnalités très inédites qui sont basées sur la santé. Exactement. Donc le projet, il s'appelle Vasi. Pour faire court, l'idée, c'est de faire une application de navigation piétonne. À l'instar de Google Maps ou de Waze, que j'imagine que vous utilisez ça. L'idée de Vasi, c'est que l'application s'adresse particulièrement et uniquement aux piétons. Donc le but, c'est d'encourager la mobilité douce et de participer à cette transition énergétique actuelle. Le projet se fait en partenariat avec le laboratoire Epsilon et donc l'université Paul Valéry. L'idée, c'est d'améliorer et de continuer à améliorer ces algorithmes à travers un projet de thèse sous la direction de M. Lionel Brunel.
Alors, il y a donc c'est un projet, c'est un développement d'une appli qui va orienter vers un aspect recherche et développement. Vous avez des liens quand même très forts avec l'Afrique, c'est-à-dire que vous co-développez l'application avec des informaticiens de Djerba, et le lancement de cette appli sera réalisé de manière simultanée à Montpellier et à Djerba. Exactement. Donc, quand on était sur le projet Djerba Waves, j'ai pu rencontrer notamment Monsieur Benghazi, qui j'ai eu beaucoup de choses parce que c'est le seul incubateur dans le sud tunisien qui nous a beaucoup aidé à pouvoir trouver des partenaires sur place. Cette structure vous a permis d'être détecté, d'être en pré-incubation, de vous préparer en fin de compte à l'entrepreneuriat pour ensuite développer de manière plus scientifique, avec l'aide d'un laboratoire, des scientifiques de Paul Valéry, vos algorithmes. Exactement, exactement. Okay. Bon, ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. Voilà. Merci. On va continuer. Donc, nous avons quelques étudiants entrepreneurs. Nous passons à Ulysse Agassin. Alors, Ulysse est issu de la faculté d'économie de Montpellier. Il a deux projets. Nous avons quelques sérieux entrepreneurs aujourd'hui. Donc, Ulysse a deux projets. Le premier s'appelle WeirdSect. J'ai toujours du mal à le prononcer. Oui, et le deuxième est Mes courses béninoises. On va y revenir. Particularité intéressante, Ulysse a bénéficié du dispositif d'accompagnement entrepreneurial qui s'appelle Pépite. Il a donc été suivi à la fois professionnellement par un coach issu de l'école des mines d'Alès et académiquement par une enseignante chercheuse de MoMA, qui est aussi un des établissements en lien avec l'économie, avec l'entreprise. Donc Ulysse, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre premier projet ? Oui, bonjour, c'est Ulysse Agassin. Je suis le cofondateur de WeAscape, qui est une galerie d'art en ligne. J'ai eu l'idée de créer WeAscape en 2019. Bon, il faut dire que je suis photographe, j'ai l'habitude de faire des expositions, surtout sur la culture africaine. J'en ai fait sur le vaudou, qui est la religion endogène du Bénin, sur Ganvier, un village d'Acus. Donc, votre motivation, c'était en fin de compte par rapport au fait que vous soyez déjà photographe, vous faisiez des expositions, vous vouliez justement donner une plus grande représentation des artistes africains via votre site, c'est bien ça? Bon, c'est ça, sauf que de base, c'est venu des frustrations que j'ai eues parce que je suis seul à Montpellier, je n'avais pas de soutien. Du coup, ça a été compliqué pour moi de faire ma première exposition, ce que j'ai fait d'ailleurs grâce à l'université de Montpellier à l'époque. Mais sinon, sans l'université, je n'avais pas l'opportunité d'exposer mes œuvres. Du coup, c'est de là que m'est venue l'idée de créer une galerie en ligne de base que pour moi, sans faire des demandes d'exposition, mais que finalement, bon, ça s'est accentué sur d'autres artistes un peu partout en France. Donc, ça a été le tremplin, en fin de compte, pour ouvrir un site et proposer des artistes africains, des documentaires sur les artistes africains et que ce soit aussi un marketplace. Oui, c'est ça. Au fait, nous, on fait la promotion des artistes à travers des vidéos documentaires qu'on réalise. Mmh. On a créé une chaîne de streaming comme Netflix, sauf que c'est dédié 100% à l'art. Le but, c'est vraiment les artistes, dans 100 ans, ils ne vont plus exister. Mais quand même, il y a ces vidéos documentaires qui existent au-delà des générations, qui continuent de faire parler de ces artistes. Et puis à côté, il y a la marketplace, justement, pour vendre les œuvres des artistes. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux expositions, c'est qu'on a des partenariats, que ce soit des restaurants, des hôtels, un peu partout. Et le but, c'est d'exposer ces artistes dans ces lieux. Du coup, donc vous trouvez aussi des lieux d'exposition pour ces différents artistes en France. Oui, c'est ça. Okay. Et votre deuxième projet que vous menez de manière simultanée, c'est Mes courses béninoises, qui est plus dans ce cas un projet d'innovation sociale, car le but, vous me confirmez, il s'agit pour la diaspora béninoise installée au Canada en France d'acheter des courses pour leur propre famille qui se trouve au Bénin. Elle paye des cours sur tel ou tel commerçant sur place
et ces courses-là sont livrées directement à ces familles. C'est quelque chose d'assez inédit, il me semble. Oui, au fait, ce projet, je l'ai eu parce que moi, je le vis au fait. Quand j'envoie l'argent à ma mère qui est au Bénin, finalement, moi, je lui envoie l'argent pour le manger, sauf que je ne sais pas ce qu'elle fait avec l'argent. Et deux semaines après, elle va t'envoyer un message, j'ai besoin d'argent pour le manger. Du coup, j'envoyais l'argent à mon ami sur place qui allait au marché faire les courses et qui lui livrait directement. C'est de là qu'est venue l'idée et je me suis dit que je ne suis pas le seul dans ce besoin. Et c'est de là qu'on a lancé mes courses béninoises depuis quelques mois. Alors, je veux dire que c'est un élément qui est assez courant chez les étudiants entrepreneurs. Ils vont avoir un besoin quelconque. Et à un moment, ils vont s'apercevoir que la réponse à ce besoin n'existe pas. Et ils se disent, ben, pourquoi pas le créer? Et à partir de là, ils vont créer leur propre activité et se dire, pourquoi pas créer mon propre emploi? Et c'est un élément qui est très, très, très commun pour les étudiants entrepreneurs. J'aurais une question à poser à nos vice-présidentes. Dans l'exemple de Dia, il a été détecté, repéré par un incubateur, l'incubateur de Djerba, qui est assez récent. Est-ce qu'il y a des relations qui existent avec les incubateurs des autres pays africains? Ah, s'il vous plaît. Bravo pour ces beaux projets, déjà, c'est vraiment inspirant. Alors, à Montpellier, nous avons, et après je passerai la parole à Indemad pour approfondir vraiment sur la partie écosystème numérique et particulièrement nos pépinières. Ce que je peux vous dire, c'est que nous ouvrons aujourd'hui nos chakras, allez, économiques vers l'Afrique. Et nous voyons bien que nous avons besoin d'approfondir les liens et d'approfondir les projets qui nous lient. Donc, je pense que cette idée de créer des liens inter-incubateurs est une idée que nous allons de toute façon développer. Nous avons aussi aujourd'hui localement un écosystème entrepreneurial qui s'ouvre énormément vers l'Afrique. On a fait une questionnaire récemment qui demandait à nos entreprises en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie où on a vraiment posé la question très clairement: quelle partie du monde, quelle zone géographique vous intéresse le plus? Les réponses ont été très claires. Pour la majorité des répondants, c'était en premier lieu l'Europe et en deuxième lieu l'Afrique. Et l'Afrique, il y avait tout un tas de pays mentionnés, donc beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, francophone, mais pas que. On avait le Rwanda, on avait l'Afrique du Sud. Donc on voit bien que l'envie est là de tisser des liens entre nos écosystèmes entrepreneuriales, mais aussi entre nos institutions, et je pense particulièrement au BIC, au MIBI, parce que nous avons un incubateur international à Montpellier. Donc voilà, c'est pour nous, de toute façon, une ouverture absolue sur ces sujets, mais il nous reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Oui, il y a une structuration que je pense qui est encore à faire. Il y a aussi des incubateurs sur Montpellier qui sont spécialisés dans les filières artistiques et culturelles. Je pense à Context Art, je pense aussi au dispositif Positif SIEC, qui est porté par Context Art aussi, l'Altropis Fondation de France, le CMA, etc. Et il y a toute une structuration à faire pour les 5 à 6 000 étudiants africains qui sont présents à Montpellier chaque année. Alors, tous ne vont pas créer une entreprise, mais à titre d'exemple, sur Paul Valéry, nous en avons 1733, chiffre de l'an dernier, c'est précis. Et beaucoup d'étudiants, il y a un pourcentage d'étudiants étrangers qui sont beaucoup plus importants que le nombre total d'étudiants. Et lorsque les étudiants africains viennent me voir, nord-africains, Afrique subsaharienne, ils ont effectivement, comme disait Dia, comme disait Ulysse, une volonté de créer parce qu'ils bénéficient, ils savent qu'ils peuvent bénéficier de dispositifs étudiants.
Et pour les liens, donc, entre incubateurs. Merci pour cette question et bravo Ulysse et Dia pour la présentation de vos projets. Alors aujourd'hui, le BIC à Montpellier est réputé connu mondialement, spécialisé dans les innovations technologiques principalement et numériques. Nous, effectivement, recevons des étudiants, des porteurs de projets du monde entier qui sont hébergés au MIBI et accompagnés par les chargés de mission du BIC. Par contre, en ma connaissance, il n'y a pas de relation directe entre incubateurs. Il y a la possibilité, effectivement, de développer un réseau à l'international lorsqu'on a des liens, qu'on a tissé des liens sur son territoire. Et comme le disait très bien Claire, nous avons cette volonté justement de développer un réseau qui dépasse notre territoire et qui s'étend vers l'Afrique. Donc, j'invite effectivement les porteurs de projets étudiants qui sont ici à présenter leur projet au BIC s'il a une innovation, par exemple, technologique, à Alter Incube, qui est plus connu sur les innovations sociales, pour pouvoir avoir un accompagnement sur une durée de 4 ans et avec l'objectif aussi de s'implanter sur le territoire s'ils le souhaitent et donc avoir aussi des financements par la région, par BPI France. Ceux qui tissent les liens entre incubateurs, souvent ça part de Business France et de l'institution qui est la région pour pouvoir développer des choses à l'international également. Vous dire que effectivement le nouveau sommet Afrique France est une opportunité à la fois pour les porteurs de projets mais aussi pour notre collectivité de faciliter des liens et d'user des outils tels que l'incubateur pour pouvoir pousser le développement pousser l'entrepreneuriat et le développement des activités au-delà du territoire en Afrique. Donc on a actuellement on travaille sur ce projet pour se structurer autour de cette volonté d'accompagner les porteurs de projets qui le souhaitent ici ou là-bas avec le transfert effectivement de leur technologie, de l'innovation et donc partager ces outils, faire de la co-construction et toute forme d'innovation évidemment. Donc une cartographie des acteurs dans les pays d'origine serait nécessaire et de voir le type de projet qu'ils peuvent détecter, ce qu'ils peuvent mettre en place et les liens qu'il peut y avoir. Je pense par exemple dans le cas de Dia, il a été donc pré-incubé sur Djerba et ensuite bon, fait son entreprise en France, avec l'idée quand même de construire, de créer des liens professionnels avec Djerba, avec la Tunisie. L'inverse aussi, c'est d'avoir une entreprise africaine qui commence son incubation à Montpellier et qui la termine dans un incubateur à Ouaga, à Dakar ou à Tunis ou ailleurs. Tout à fait. Et moi, je les invite aussi à s'appuyer sur des réseaux, des écosystèmes existants, comme Digital Africa. Là, par contre, nous sommes en lien avec nos réseaux ici, La Mêlée, Leader Occitanie, Digital 113, pour travailler justement à la construction d'un projet à la fois de développement en France et en Afrique. Donc, peut-être connaissez-vous Digital Africa, qui regroupe des entrepreneurs un petit peu de toute l'Afrique et qui travaillent justement à cette co-construction à l'échelle européenne. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est sur le territoire d'Occitanie pour ceux qui souhaitent se développer. Mais effectivement, le BIC, l'engagement d'être incubé au BIC, c'est d'être implanté et de créer de l'emploi sur ce territoire à terme. Il faudra qu'on fasse évoluer peut-être les contrats, les conventions pour pouvoir prévoir un accompagnement avec une implantation ici et en Afrique, et ça, c'est la volonté du maire président Michael Delafosse. Oui, ça pourrait être effectivement une des solutions pour permettre ce développement d'Afrique, et tout en gardant un lien à la fois sur le territoire métropolitain, mais où la facilité semble être de mise pour la création de l'activité. C'est beaucoup plus simple pour eux de commencer une activité sur Montpellier ou sur une autre ville française, et qui est un tremplin du coup pour implanter leur activité dans leur pays d'origine. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, là, c'est ma casquette, d'entrepreneur que je sors. Il faut qu'il y ait une opportunité de business, d'ouverture de marché pour les entrepreneurs ici et pour les entrepreneurs là-bas. C'est-à-dire, s'ils souhaitent développer leur activité, qu'ils aient des facilités et une ouverture de marché ici. Et inversement, pour qu'ils puissent grandir, faire grandir leur business et ouvrir les perspectives de développement.
Merci beaucoup. Donc Rabioudi, vous êtes donc d'origine algérienne. Vous êtes né à Oran, il me semble. Vous avez fait vos études là-bas. Et à Montpellier, vous avez monté, je passe un peu rapidement, donc le festival à l'Andalouse, dont vous êtes le directeur artistique. Il y a une dimension, bien sûr, très, très internationale, car il y a des échanges, vous avez construit des échanges avec transméditerranéens. Vous pouvez nous en parler un peu de ce festival, très rapidement ? Donc, je suis Rabi Outi, le directeur artistique du festival à l'Andalous. Donc, je suis arrivé à Montpellier en 2014 et je connaissais pas du tout la culture occitane. J'ai rencontré un musicien sur Montpellier, Clément Fernandez, et qui me fait découvrir la culture occitane et le café culturel Casabondels à cette époque-là. Et du coup, quand j'ai commencé à vraiment écouter et découvrir la culture occitane et la musique occitane, j'ai dit, ben, ça ressemble beaucoup à la musique arabe-andalouse de chez moi, parce que je suis originaire de la ville de Tlemcen. Et Tlemcen, c'est la capitale de la culture arabe-andalouse en Algérie. Donc, avec Clément, on a décidé de faire un festival de musique arabe-andalouse à Montpellier. Et c'était le premier festival de musique arabe-andalouse. Et de quand date cette première édition ? C'était en 2017. Et depuis, donc, le festival est reconduit. Exactement. Et maintenant, on prépare la 6e édition qui va être, si tout va bien sûr, en présentiel en mars 2022. Ok, très bien. Et donc, vous êtes, voilà, vous n'êtes pas étudiant entrepreneur. Vous considérez comme un entrepreneur, comme un organisateur de spectacles culturels ? Franchement, avant tout ça, je me considère comme un artiste parce que je suis musicien. Oui, vous êtes musicien. Voilà. Ouais. Donc, j'ai surtout une vision d'artiste sur le projet global et aussi, c'est-à-dire pour défendre vraiment cette culture. Parce que quand je suis vraiment arrivé à Montpellier, j'étais accueilli par Montpellier et j'ai senti cette culture de Tlemcen ici à Montpellier et cette culture arabe-andalouse. Parce qu'il y a quelques points en commun qu'on retrouve ici dans la culture occitane en général. Et je vais vous poser une question, je vais la poser aussi aux autres. Vous considérez, enfin, je veux dire que vous êtes un entrepreneur au sens très large. Vous considérez-vous comme un entrepreneur français, algérien ou international ? C'est ? Personnellement, je me considère vraiment comme un entrepreneur international parce qu'on a beaucoup d'échanges avec tout le bassin méditerranéen. On travaille beaucoup avec l'Algérie, bien sûr, mais aussi avec l'Espagne. Et là, prochainement, on va commencer à travailler, si tout va bien, des échanges avec l'Italie, le sud de l'Italie. Et sachant que je suis artiste aussi, je tourne un peu partout et je me considère tout simplement comme un artiste international. Merci. Ulysse. Jean-Charles, oui. Excusez-moi. Juste, je rebondis. Est-ce que vous savez que Montpellier est jumelé avec Tlemcen? Oui, je sais très bien. Alors, c'est très intéressant parce que nous souhaitons aujourd'hui mettre du contenu économique dans l'ensemble de nos jumelages. Et là, on a typiquement un cas de quelqu'un qui est entre, qui a fait le pont, en fait, qui a traversé le pont entre Tlemcen et Montpellier, donc de jumelle à jumelle. Et qui fait une entreprise, hein, parce que c'est une vraie entreprise culturelle, créative, mais c'est une boîte, ici. Donc, on a quelque chose de très intéressant que nous souhaitons soutenir en tant que municipalité. Ça fait partie vraiment de nos objectifs de créer ce lien de ville jumelle à jumelle, de ville amie à ville amie, et de pouvoir justement accompagner ce type d'initiative. Donc ça, c'est très bien, il faut qu'on se voit après. Et juste pour compléter, là, depuis 2017, on a programmé au minimum 5 ou 6 artistes de Tlemcen. Et c'est vraiment c'est des contacts entre notre association d'art d'art de à Montpellier ici avec les associations de Tlemcen. C'est formidable. Donc, voilà. Et pour terminer sur Tlemcen, j'ai reçu il y a 1 an et demi, 2 ans, une collègue de l'université de Tlemcen qui est en charge de l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, elle est restée 10 jours, donc j'ai accompagné, je lui ai montré les différents dispositifs, on a travaillé ensemble sur la possibilité d'échanger, d'encadrer justement les étudiants, et ben, il y a eu le Covid. Donc. Si je peux compléter, effectivement, au niveau du pont qui existe entre l'Afrique et la France, au niveau de l'entrepreneuriat, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, que dirige mon ami Wilfried Dorigo,
a tout un dispositif effectivement d'accompagnement qui s'adresse aux jeunes issus de la jeunes ou moins jeunes d'ailleurs issus de la diaspora et qui fait des ponts effectivement entre la France et l'Afrique au niveau de l'entrepreneuriat. Ces liens sont-ils en place ou... Tout à fait. Il y a déjà des dispositifs qui sont déjà en route. Choose Africa, Pass Africa, au niveau effectivement aussi du mentorat. Il y a effectivement des programmes qui sont déjà en place et les premières promotions donc, ont eu lieu déjà sur 2021. C'est le cas de Meet Africa notamment, mais qui est un dispositif marseillais et qui accueille justement les... Je crois qu'on a quelques... Dia a été lauréat ou est lauréat actuellement pour Meet Africa. Okay. Ulysse, non, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est Teddy Kosoko qui devient... Teddy aussi. Ah, Teddy est là ? Teddy est là. Venez. Bon. Alors, Teddy Kosoko, enchanté, ben, salut, vous voulez. Hein. Et donc, il vient de Toulouse. C'est le seul Toulousain de la table ronde. Mais entre Occitans, vous êtes le bienvenu. Hein. Et ben, je vais pouvoir passer la parole à Teddy Kosoko. Et on terminera par le Sénégal avec Amadou et avec Mamour. Teddy, alors vous venez de Centrafrique, vous avez fait des études en informatique, vous avez travaillé un peu, vous avez même travaillé beaucoup pour développer votre activité, mm-hmm. qui est la création de jeux vidéo. C'est ça. Et vous avez en fin de compte monté un studio d'animation, un studio de jeux vidéo. Alors, vous avez projeté créer un premier jeu qui s'appelle Kisoko, c'est ça ? Kisoro, ouais. Kisoro, j'étais pas loin. Voilà. Et là, bing, success story. C'est le cas ? C'est ça, ça a plutôt bien fonctionné. Vous pouvez nous en parler ? Mais en fait, moi, donc, je suis arrivé en France en 2012, de Centrafrique, pour continuer des études en informatique. Et j'ai fait un peu le tour d'Europe pour voir si tous les Européens se ressemblent, s'ils parlent la même langue, enfin, ce genre de choses, pour prendre un peu plus de recul. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de l'Afrique. Donc, les Européens méconnaissent l'Afrique, les Africains méconnaissent l'Afrique. Et là, moi, l'angle que j'ai utilisé, c'est d'utiliser les jeux. On a une génération aujourd'hui qui joue beaucoup. Et je me suis dit, si je prends les jeux, s'ils jouent, ils peuvent découvrir notre vision de l'Afrique. Donc, à côté de mes études, à la MIH de Toulouse, j'ai développé un premier jeu, je l'ai sorti et ça a plutôt bien fonctionné un peu partout sur la planète. Alors, ça a bien fonctionné en France aussi. Mais par contre, en Afrique, ça a été le fiasco complet. Alors, ça n'a pas généré d'argent en Afrique. J'ai réussi à générer de l'argent en France, mais pas en Afrique, alors qu'on a eu beaucoup de personnes en Afrique qui ont joué au jeu. Bon, en termes de retour sur investissement, j'ai rien eu, quoi. D'accord. Et à partir de cela, de cet état, vous avez créé une deuxième activité qui C'est ne... ça. Alors, aujourd'hui, vous pouvez nous en parler ? On est en train de développer une plateforme de... C'est aussi un serial entrepreneur. Hein. On est en train de faire une plateforme de distribution de contenu et de monétisation. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les plateformes qui existent pour distribuer les contenus, les jeux, les applications, les livres numériques, les BD, etc., ont été pensées pour des pays où les gens ont beaucoup de cartes bancaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent facilement payer avec leur carte bancaire. Or, chez nous, en Afrique, c'est le cash qui domine. Et récemment, des technologies qu'ils appellent les mobile money, l'argent via des comptes virtuels, qui sont très utilisés. Donc moi, j'ai décidé de créer des solutions, une solution qui s'appelle Gara, qui a pour objectif d'interconnecter les pays africains pour que d'abord, les créateurs génèrent de l'argent en Afrique avant de penser à vendre en Europe ou ailleurs. Donc votre vidéo se base 100% sur des jeux qui vont s'appuyer sur la culture africaine. C'est ça. Et alors, est-ce que c'est un jeu qui est typiquement pour la diaspora africaine ou pour les Africains, ou est-ce qu'il y a vraiment des Français, des Européens, des Occidentaux qui plongent dans ce type de jeu? Alors, on a vraiment du tout. Mon premier jeu, il a été financé à peut-être 70% par des Français, hein, purs Français, pour ne pas employer le terme de souche, mais ça a été financé en grande partie par des Français. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup... tout type de personnes, donc les Africains qui redécouvrent ou qui découvrent une partie de leur histoire au travers de jeux. On a des populations françaises, allemandes, belges qui découvrent l'Afrique au travers de ça. On s'est rendu compte que oui, grâce à un jeu, on peut réussir à mettre
tout le monde tout autour d'une table. Donc sur un jeu très orienté, des jeux très orientés Afrique, une diversité d'utilisateurs, hein, soit africains ou européens. Merci. Alors, Mamour. Alors, Mamour Sec est donc entrepreneur sur la métropole. Et donc vous travaillez, votre secteur d'activité, c'est le commerce de gros, alimentaire et cosmétique. Alors vous aussi, vous êtes un serial entrepreneur, vu que vous avez deux projets. Le premier, c'est Oléociné, donc la transformation de produits bruts venant du Sénégal et transformation dans la métropole, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et le deuxième projet, c'est vous avez créé un deuxième projet qui est en fin de compte une analyse de la demande des ventes. Je vous laisse expliquer. Ok, merci. Avant tout, je tiens à vous remercier, Jean-Charles, de cette invitation. Remercier le panel et le public, Montpelliérain et auditeurs et auditrices. Donc, pour expliquer, voilà, moi j'ai fait mes études à Montpellier, à la faculté de sciences, biologie des organismes et de populations auprès du professeur Allé, qui est pour moi une des références. Et puis après, faire une école d'ingénieur en agroalimentaire à Dijon, travailler en région parisienne, revenir à Montpellier. Et en revenant à Montpellier, déjà l'idée c'était entreprendre. Je reviens à Montpellier pour entreprendre. Malheureusement, les choses ont fait que j'ai dû repositionner à travailler aux mines, le marché d'intérêt national à Montpellier, qui a été vraiment un écosystème qui permettait déjà de comprendre un peu une structuration de l'offre autour des produits agroalimentaires. Oui, qui est en lien direct avec votre activité actuelle. Voilà, tout à fait. Et donc, votre deuxième projet, c'est Africa Marketplace. Voilà, donc de là… Et ça répond à un besoin du marché africain et du marché européen, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, du coup, la structuration de l'offre, regardez ici, donnait déjà un modèle. À côté, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien professeur d'économie qui avait aidé un village au Sénégal qui s'appelle Soror, qui avait, par des fonds européens, financé un atelier, une huilerie qui fonctionne et la commercialisation se faisait en France. C'est ça, au fait, le départ d'Oléocine. Il a 82 ans, il a fallu... Donc, c'est une reprise d'entreprise. Voilà, il y a premièrement cette reprise d'entreprise et le diagnostic et l'immersion autour de l'activité d'Oléocine m'a conduit à un nouveau projet qui est Africa Marketplace, dont le but est, sur le modèle de Oléocine, essayer de le dupliquer en reprenant un peu des bases, c'est-à-dire des produits alimentaires et cosmétiques qui proviennent pas essentiellement du Sénégal, mais répartis en Afrique de l'Ouest pour les industriels européens et français. Donc vous changez d'échelle, plus Sénégal, mais vous rayonnez là sur l'ensemble de la sous-région. Tout à fait. Est-ce que vous avez développé votre activité au Sénégal ou ailleurs? Voilà, naturellement, au fait, en posant le projet, je voyais déjà la complexité. Donc pour expliquer un peu, donc que quand même, sur Montpellier, il y a un très bon réseau d'incubateurs. Voilà, en allant en subagro, il y a déjà une structure qui est vraiment avec les pays du... Oui, ils ont développé justement des liens entre les laboratoires qui se trouvent à Dakar, par exemple, ou d'autres. Voilà, l'analyse chez Adoc m'a conduit au BIC, et du BIC, je suis retourné à Novelid, qui est dans le réseau Héro. Donc, l'orientation a pu bien se faire. Mais le premier problème que je me posais, c'est maintenant... Sur ce modèle, comment le dupliquer? Heureusement, comme on dit, les choses arrivent au bon moment. Le Meet Africa est tombé le 22 décembre. J'ai répondu le 24 parce que voilà, c'était un besoin de pouvoir déployer vraiment la démarche auprès de au Sénégal. Donc vous avez pu bénéficier en fin de compte de l'infrastructure d'aide à l'entrepreneuriat de la métropole avec le BIC, avec les divers incubateurs, et ensuite pour Africa Marketplace de l'initiative marseillaise qui vous a permis de construire votre projet. Voilà, donc l'orientation était de via le BIC. Sur la création d'activité, je voudrais revenir, j'ai oublié de poser une question, mais elle est en lien à Teddy. Vous avez transférer une partie de votre activité économique en Afrique, alors, et notamment au Sénégal, je crois. Alors, en gros, quand j'ai commencé ma société, l'objectif, déjà la vision, était d'avoir un pied en Afrique et un pied en France. Mais quand je dis Afrique, vraiment avoir
là, c'est 54 pays quand même, mais essayer d'avoir plusieurs personnes sur plusieurs endroits. Donc aujourd'hui, il y a une partie de mes collaborateurs qui sont en France et il y a une partie au Cameroun et au Sénégal. Et donc là, on est en train de créer une deuxième société pour la plateforme en France et on va créer des filiales au Sénégal, au Cameroun, au Kenya. Et là, on est accompagné également par Meet Africa pour cette partie filiale un peu partout. D'accord. Sur le continent. Et vous me disiez que alors le Sénégal, et je vais retourner après vers Amadou Diop, le Sénégal est en fin de compte un des pays africains où il est très plus facile que les autres pour développer une activité. Bien sûr. Alors, on a vu ces dernières années, d'abord, l'avantage, c'est que le Sénégal a des présidents technophiles, alors des gens aussi qui ont une vision. C'est beaucoup plus facile dans ce type de pays, il y a le Sénégal, Kenya, il y a le Bénin aujourd'hui également, où c'est plus facile de créer une société. Dans d'autres pays, c'est un peu plus difficile et on a déjà trop de problèmes à gérer. Donc, si juste créer une société devient problématique, ça. D'accord. Amadou, vous confirmez sur le fait que le Sénégal est un peu en avance en termes de création d'activité? Oui, tout à fait. En fait, ce virage a été pris par le Sénégal. Bon, c'est pas que le président actuel, hein, depuis le début des années 80. Où il y avait une problématique majeure, notamment d'insertion des diplômés du supérieur, où ils ont commencé à créer un programme et financer à l'époque, on appelait ça les maîtrisards. Maîtrisards entrepreneurs, ça veut dire des jeunes qui avaient fini des études supérieures avec la maîtrise à l'époque. Pour les plus jeunes, ça correspond effectivement à un master 1, hein, ça n'existe plus maintenant. Et donc, en fait, depuis cette période-là, il y a tout un écosystème qui a été développé et effectivement entretenu. Aujourd'hui, il y a des structures où on peut créer effectivement son entreprise en quelques jours au Sénégal. Ensuite, récemment, il y a eu une délégation qui s'appelle la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, plus spécifiquement orientée vers les jeunes et les femmes, qui accompagne. Donc, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, en Afrique, les dirigeants se sont rendus compte qu'effectivement, l'administration et la fonction publique ne peuvent pas donner un emploi à tout le monde. Et est-ce que les liens existent avec la France, notamment dans un co-développement d'activités économiques? Tout à fait. Et puis bon, effectivement, je pense que la diaspora a un grand rôle à jouer. Comme vous disiez si justement tout à l'heure, il y a plein de gens qui démarrent une activité ici. Hein, c'est le cas de Teddy, parce que peut-être effectivement l'écosystème est plus favorable. Mais à partir du moment où l'entreprise commence à bien fonctionner, ils pensent souvent à créer des filiales en Afrique. C'est effectivement ce que dit Teddy, c'est que dès que l'entreprise commence à trouver un terrain fertile, stable pour construire, eh bien, c'est pour cette raison que Teddy a implanté au Cameroun, je crois, c'est ça? Alors, et au Sénégal. Cameroun et Sénégal. Ouais. Alors, bon, je vais être obligé d'arrêter. Hélas, on aurait pu tenir 2 heures de plus. C'est vraiment dommage. On n'a pas pu aborder la deuxième partie. Donc, qui était bon. On a déjà quelques éléments pour construire cette deuxième partie. On va essayer de trouver un moyen de la co-construire ensemble à partir de vos témoignages et le projet Magia. Montpellier appuie pour la jeunesse innovante africaine. Le but est effectivement de construire des ponts entre la France, entre Montpellier spécifiquement et l'Afrique pour permettre le transfert d'activités, la création d'activités et d'emplois dans les pays africains. Donc on va essayer de continuer à réfléchir à ça et d'essayer de faire aboutir ce projet. Je remercie déjà les dames. Indemad, Claire Hart pour votre présence, pour votre participation, Amadou Diop pour comme accompagnateur de jeunes entrepreneurs qui promulgue conseils et autres attentions, et je remercie donc Mamoursek aussi qui est un entrepreneur confirmé. Voilà. Et ensuite, nos Rabi, Ulysse, Dia et Teddy d'être venus et d'avoir pu témoigner sur leur création d'activité qui est en plein essor en fin de compte. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.